Dame Trudeau, la sorcière, des frères Grimm. Il était une fois une petite fille extrêmement têtue et imprudente qui n'écoutait pas ses parents et qui n'obéissait pas quand ils lui avaient dit quelque chose. Pensez-vous que cela pouvait bien tourner? Un jour, la fillette dit à ses parents: « J'ai tellement entendu parler de Dame Trudeau que je veux une fois aller chez elle. Il paraît que c'est fantastique et qu'il y a tant de choses étranges dans sa maison, alors la curiosité me démange. » Les parents le lui défendirent rigoureusement et lui dirent: « Écoute, Dame Trudeau est une mauvaise femme qui pratique toutes sortes de choses méchantes et impies. Si tu y vas, tu ne seras plus notre enfant. » La fillette se moqua de la défense de ses parents et alla quand même là-bas. Quand elle arriva chez Dame Trudeau, la vieille lui demanda: « Pourquoi es-tu si pâle ?»« Oh, dit-elle en tremblant de tout son corps, c'est que j'ai eu si peur de ce que j'ai vu. »« Et qu'est-ce que tu as vu ?» demanda la vieille. « J'ai vu sur votre seuil un homme noir, » dit la fillette. « C'était un charbonnier, » dit la vieille. « Après, j'ai vu un homme vert, » dit la fillette. « Un chasseur dans son uniforme, » dit la vieille. « Après, j'ai vu un homme tout rouge de sang. » « C'était un boucher, » dit la vieille. « Ah, Dame Trudeau, dans mon épouvante, j'ai regardé par la fenêtre chez vous. Mais je ne vous ai pas vu. J'ai vu le diable en personne avec une tête de feu. » « Oh, oh !» dit la vieille, « ainsi tu as vu la sorcière dans toute sa splendeur. Et cela, je l'attendais, et je le désirais de toi depuis longtemps. Maintenant, tu vas me réjouir. » Elle transforma la fillette en une grosse bûche qu'elle jeta au feu, et quand la bûche fut bien prise et en train de flamber, Dame Trudeau s'assit devant et s'y chauffa délicieusement, disant: « Oh, le bon feu, comme il flambe bien clair pour une fois !»